Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'obtenir du bouclier à Butter Barn. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Butter Barn qui se trouve juste ici sur le gameplay. Donc vous avez cette petite zone là, donc ce petit bâtiment là et ce petit bâtiment là, pas celui-là, je pense pas qu'il ait compris dedans, mais c'est ces deux bâtiments là, donc la pompe à essence et ce bâtiment là, je pense que c'est Butter Barn. Donc je pense que c'est compris pour Butter Barn. Regardez l'enseigne, il est marqué juste là. Et ce que vous allez devoir faire en fait, c'est d'obtenir du bouclier à Butter Barn. Donc je ne sais pas si c'est obtenir en trouvant du bouclier ou si c'est simplement s'équiper de bouclier à Butter Barn. Donc si maintenant vous venez de, je sais pas moi, de Rockyrill, c'est que vous avez deux grosses potions de bouclier et que vous venez ici et que vous les utilisez, je ne sais pas si ça fonctionne. Il faut tester, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça fonctionne. Comme je fais les vidéos, les défis en avance, je ne peux pas savoir exactement si ça fonctionne ou pas. Par contre, ce que je peux vous donner comme astuce, c'est de venir ici exactement. Donc c'est dans le bâtiment juste ici. Hop. Et là, vous allez voir que quand vous allez descendre, il y a des barils de bleuvage. Donc des barils qui vont vous permettre d'obtenir du bouclier. Donc ces barils sont quelque part, hein, je les cherche. Voilà, ils sont là. Donc il faut savoir que vous devez obtenir 50 points de bouclier pour terminer le défi. Et là, vous avez 3 barils. Ces 3 barils vous donnent 60 au total. Donc regardez, normalement ça donne 20 par 20. Ah non, c'est 10 par 10. Ok, autant pour moi. Donc déjà, rien qu'avec ces 3 barils, vous avez déjà 30%, 30 points de PV de bouclier. Donc c'est déjà pas mal. Après, vous pouvez aussi fouiller la glacière. S'il vous donne un poisson bleuvageon, eh ben, ça vous donne aussi du bouclier. Ici, vous pouvez prendre les caisses de fruits. Si vous trouvez des champignons, ça vous donne aussi des boucliers. Regardez, hop, déjà un champignon juste là. Hop, ensuite, vous l'équipez. Hop, on est à 40 points de bouclier. Est-ce qu'il y a d'autres caisses de nourriture? Ah, les noix de coco. Les noix de coco aussi, ça vous donne deux boucliers, donc c'est plutôt pas mal. Regardez, là, je suis à 49, il me manque un truc pour avoir un point de bouclier, pour avoir 50 points de bouclier et terminer le défi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un truc ici en plus? Non. Alors, ce que vous pouvez faire, ben, c'est tout simplement fouiller les coffres en haut, à gauche, à droite, un peu partout, jusqu'à temps de trouver des petites potions ou des grosses potions de bouclier. Donc là, regardez, il y a un champignon, hop, voilà, je l'utilise et là je suis à plus de 50 points de bouclier. Donc là normalement j'aurais terminé le défi. Et regardez aussi à la pompe à essence, j'avais vu au loin, je crois, ouais, il y a une potion de bouclier. Ah non, c'est pas une potion, je croyais, mais non, c'est un tremplin. Donc voilà, quand vous aurez obtenu 50 points de bouclier à Bonnet Butter Barn, voilà, juste ici, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SwakuluMec et ciao. Peace.